Mesdames, messieurs, je vous retrouve pour l'actualité du jour, centrée aujourd'hui sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Nous serons dans l'actualité du jour en liaison avec notre envoyé spécial dans la cité des Sake, où il y a une situation tendue, un mouvement de la population également signalé après une nuit agitée. Vous le savez, jusqu'à 22h30, des affrontements ont été donc prolongés dans cette cité. Et trop tôt ce matin, des sources sur place indiquent un déplacement de la population dans cette partie de la province du Nord Kivu. Nous allons donc en parler dans l'actualité du jour. Pour ne rien rater, mesdames, messieurs, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo. La cité des Sake a connu une nuit agitée avec des affrontements prolongés jusqu'à 22h30. Les agresseurs rwandais ont tenté de déborder les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo pour lancer des attaques à Mabinda et au pont Kiira, mais ont été sérieusement repoussés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Cependant, ces affrontements ont entraîné les déplacements massifs de certains habitants qui étaient revenus dans la cité. Les derniers viennent donc de quitter la cité et de saquer. Notre envoyé spécial dans la zone, Ronelin Tibonera, nous rapporte la situation sur terrain. Merci beaucoup Blaise Massabo. Là, je vous rassure que je suis à quelques kilomètres de la cité des Sake. Difficile maintenant pour l'instant d'accéder à cette cité parce que les opérations continuent derrière moi. Mais comme vous êtes en train de le remarquer sur les images, c'est beaucoup de personnes qui quittent la cité des Sake pour se réfugier dans la ville de Goma. Le terrorisme du M23 continue avec leur campagne et plusieurs personnes qui veulent sauver leur peau ont décidé de quitter leur maison pour se mettre à l'abri. Ces personnes se dirigent vers le camp de déplacés de Mugunga, qu'on appelle communément les Kimashini. Et derrière moi, ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo, les Wazalendo, qui sont déterminés à en finir avec cette guerre, ont juste imposé à la population. Mais ce qui est vraiment très compliqué, c'est que nous rencontrons déjà sur le chemin beaucoup de déplacés qui viennent déjà de Chacha. Ces personnes ont fui les combats à Chacha, se sont retrouvées à Sake. Encore aujourd'hui, ces personnes viennent de fuir Chacha et se retrouvent sur la rue vers Goma. Où est-ce que nous allons vraiment aller avec cette guerre en juste imposée à la République démocratique du Congo? Ronelin Tibonera, pouvez-vous avancer un peu pour filmer et nous dire exactement qui contrôle actuellement la cité des Sake? Il est temps que vous serez en train donc d'avancer et pour aller voir la situation de près. Parlons autre chose à présent, un groupe WhatsApp qui réunit les jeunes de Goma vient donc de lancer une campagne de soutien aux Wazalendo. Selon l'initiateur Sylvain Muninga, cette campagne vise à soutenir les jeunes résistants qui combattent aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo contre le rebelle du M23. Comme la population a soutenu les léopards lors de la CAN, cet acteur politique appelle à la mobilisation générale face à cette action. Je propose de l'écouter ici. La campagne en question, c'est une campagne qui consiste à collecter les bottes, comme je viens de le dire. Donc, un membre du groupe a une botte, un godio en swahili, comme on appelle ça. Donc, un membre nous donne 5 dollars. Et le 5 dollars n'entre pas dans la poche de Sylvain Namuninga, mais rentre dans la caisse du groupe en question. Et la caisse en question pourra fonctionner pour voir si nous allons atteindre combien, et moyennant l'argent que nous allons collecter, le petit rien que nous allons collecter pourra peut-être aider 2 ou 3 militaires qui sont sur les lignes de front. C'est dans le souci de les aider aussi et les soutenir à notre manière, nous étant Congolais. Date, oui, je dirais, parce qu'aujourd'hui nous sommes déjà le 13, et dans une semaine nous comptons déjà aller remettre ça, mais en collaboration avec nos autorités militaires qui sont en place. Le message est clair à toute la population gomatracienne, nord-kivoussienne et pourquoi pas RD congolaise. Nous sommes en train de solliciter auprès de vous un soutien indéfectible à nos FRDC. Faisons comme nous venons à peine de le faire pour nos léopards qui étaient en train de jouer la CAN. Tout le monde était en train d'acheter sa vareuse. Il n'était pas forcé par qui que ce soit. Alors faisons de même, soutenons nos FRDC qui sont sur les lignes de front. Venez soutenir nos FRDC, c'est l'unique armée que nous avons.
et qui puisse nous aider à trouver une solution par rapport à telle ou telle agression de l'ennemi qui est en train de nous poursuivre jusqu'à maintenant où nous sommes en train de réaliser cette vidéo. Et donc, la population de Goma, nous vous invitons massivement, soutenons nos FRDC afin de voir si demain après-demain, nous allons récupérer toutes ces entités récupérées par les ennemis. Nous avons besoin de vivre en paix et c'est la paix, rien que la paix. La technique me signale que notre envoyé spécial Ronelli est déjà joignable. Ronelli, vous êtes presque à Sake, où vous êtes dans la cité de Sake, devant le bureau de la police, dans cette cité stratégique pour ces affrontements. Est-ce Ronelli qui contrôle exactement Sake? Y a-t-il une réponse précise par rapport à cette question? Je suis en direct du groupement Cameroun, précisément dans la cité de Sake. Contrairement aux rumeurs qui circulent faisant état de la chute de cette cité, je suis là-bas, au niveau du commissariat sécurité publique de Sake. C'est vrai qu'à quelques mètres de là où je suis, le camp des déplacés est déjà pas bondé de monde parce que les déplacés ont fui, étant donné que les terroristes du M23 sont entrés de jeter des bombes sur la cité. Mais les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par le vaillant combattant Wazalendo, tiennent mordicus. Les forces armées de la République du Congo pilonnent les positions rebelles. Déjà derrière moi, il y a des antennes qui sont là-bas. Et là, je vous assure que ce sont des bombes de FRDC qui pleuvent là-bas. Les FRDC ne sont pas prêtes à pouvoir abandonner cette cité. Les Wazalendo, ces enfants qui sont nés ici, ne veulent pas également abandonner la cité de Sake. Les Wanyamacha, comme les gens les appellent. Je suis en direct de Sake parce que vous avez besoin de la très bonne information. Les gens ont dit que ça crépite à Mubambiro. Je vous assure que c'est faux et archi faux. Mubambiro est très calme et les forces armées de la République démocratique du Congo sont là. Et d'ailleurs, je pense que je vais même rencontrer la population qui va témoigner pour nous dire quelle est la situation réelle de la cité de Sake. Quelqu'un qui va devoir nous donner un peu plus de précision, c'est Lité. Bienvenue, s'il vous plaît. Pour un peu plus de, on va le rencontrer pour nous dire un peu plus la situation actuelle dans ces milliers. Bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce que les gens ont tendance à croire qu'on n'est pas à Sake? Où est-ce que nous sommes maintenant? Nous sommes à Sake, précisément chez la police, là où je suis aussi, parce que je viens de fermer le centre de santé de référence. Je suis ici chez le colonel pour observer la situation, parce que je viens d'évacuer tous les malades et dans le centre de santé, il n'y a personne et que donc je me retrouve ici en train d'observer ce qui va arriver. Est-ce que Sake est tombé? Jusqu'à présent, je ne dis pas que Sake est tombé parce qu'on est à Sake, comme vous le dites. Moi-même, en tant qu'Haïtien, je suis à la police ici. Certes, il y a des coups de balles qui viennent des montagnes, des collines. C'est là qui a fait que je puisse quitter. Je suis toujours à Sake ici. Est-ce que vous avez un message à envoyer à toute la communauté congolaise qui se retrouve partout dans le monde, mais aussi les habitants de Goma qui avaient déjà trop peur? Sake est une zone vraiment rouge et très exposée. La population civile a fui. Je ne suis que la dernière personne qui doit fuir. J'attends pour que je puisse fuir aussi, si la situation demeure morose. Jusqu'à 16h20, mesdames, messieurs, la situation est encore contrôlée par les forces armées de la République démocratique du Congo et le Wazalendo, qui sont ces jeunes qui se sont décidés de défendre la République démocratique du Congo jusqu'au sacrifice suprême. Les dernières évaluations de l'information, mesdames, messieurs, vous seront données en temps réel sur Kivu Morning Post. À très bientôt. Fin de l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.